Eh bien bonsoir tout le monde, c'est Dush et bienvenue pour ma première vidéo tutoriel. Donc eh bien on se retrouve sur NoxiousCraft, le serveur dont je vous avais donné l'IP dans la description de la vidéo présentation. Et aujourd'hui eh bien je vais vous faire mon premier tutoriel de construction. Ça va ressembler un peu à cette maison là que Kifuramichi est en train de décorer. Donc voilà, on est parti. Donc je vais de suite vous donner les bases pour faire la maison. Donc pour faire la maison, vous prenez de la bûche normale si possible. Après vous pouvez la prendre foncée, mais après c'est, vous voyez un peu, vous faites selon vos goûts tout simplement. Donc vous mettez une bûche, pour faire les coins de la maison, donc vous mettez des bûches, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tac, 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, voilà. Vous mettez des bûches et les bûches vont servir à... Elles vont tout simplement servir à, si vous voulez, à faire les piliers de la maison. Ça va être les piliers qui vont soutenir la maison. Donc vous voyez, vous les posez. Et donc très important, enfin c'est très important surtout si vous voulez que votre toit soit bien quoi. Il faut que comme vous avez posé les bûches devant, et eh bien ce soit identique à l'arrière. C'est-à-dire, vous devez obligatoirement poser une bûche, deux d'espace, une bûche, un d'espace, une bûche, deux d'espace, une bûche. Comme devant en fait. Et sur les côtés, par contre, vous pouvez faire comme vous voulez, mais là, vu que c'est une petite maison, je fais identique des deux côtés, comme ça au moins c'est moins dur. Ensuite, vous prenez les bûches et vous fermez tout ça avec des bûches couchées. Voilà. Des bûches couchées, tac tac. Hop. Hop. Aussi d'ailleurs d'après des après avoir reçu certaines remarques IRL sur la vidéo trailer de ma chaîne YouTube que je vous avais fait là avec les bruitages, enfin la sorte de mini-film, j'hésite, j'aimerais votre avis, ceux qui regardent cette vidéo, j'aimerais que vous laissiez un commentaire pour me donner votre avis si je devrais en faire de temps en temps des petites vidéos comme ça, si ça vous plairait. Hop. Donc ensuite sinon vous prenez des escaliers et vous faites une sorte de petite estrade comme ça pour entrer dans votre maison. Vous posez la porte. Donc voilà, donc là déjà ça donne ça. Ensuite vous prenez des escaliers, les mêmes escaliers en bas que vous avez mis devant. Et là où vous voulez mettre des vitres, vous en posez en dessous. Mais vous en posez qu'en dessous là où il y aura la vitre. Hein. Par exemple je vais dire je vais en mettre... Je vais en mettre un ici. La vitre va être que ici, donc je mets un escalier là. Je mets pas des escaliers sur toute la longueur. Vous en mettez qu'un seul. Donc ici j'en mets pas. Ici j'en mets. Ici j'en mets. Et j'en mets un ici. Voilà. Ensuite, donc du coup, je me rends compte que il faut relever encore de 1 les bûches, voire peut-être même de 2. Va falloir regarder. Faut regarder. Faut regarder. 1, 2, non, c'est bon. Donc vous relevez toutes les bûches de 1 et vous fermez le tout avec des bûches couchées. Voilà. Hop. Sinon pour la sortie des vidéos tutoriels, je pense qu'elles sortiront assez souvent. Le tout c'est qu'à chaque fois que je ferai un bâtiment que j'ai pas encore réalisé en vidéo, par exemple si je refais un moulin comme celui-ci, comme celui-là là-bas. Je vous ferai un tutoriel pour vous montrer comment j'ai fait tout simplement. Ensuite, vous prenez votre laine blanche, la laine blanche, et vous remplissez là où il n'y aura pas de vitres ni d'escalier sur les façades de votre maison. Voilà. Donc ici. Tac, tac, tac. Pour commencer, les premiers tutoriels seront surtout des petites maisons, des petites structures. Mais au fur et à mesure que j'en sortirai, je vous sortirai des vidéos de plus en plus longues et de plus en plus complètes, on va dire, avec des bâtiments de plus en plus grands, hop, avec beaucoup plus de décoration, enfin de tout le reste, quoi. Pareil, une fois que vous avez posé les vitres, vous prenez des escaliers et vous les posez à l'envers par-dessus. Ça permet de donner du relief tout simplement à vos vitres. Mince. Hop. Et hop. Je sais pas pourquoi ici j'en avais pas mis, mais bon.
Donc voilà, donc là vous avez toute la première partie. Hop. Voilà, on va piquer de la, on va piquer de la planche. Hop. Vous, après, l'avantage, vous voyez, à avoir fait la maison surélevée et pas l'avoir de suite mis dans le sol, c'est que pour faire le sol de votre maison, vous pouvez, vous n'avez pas à casser tout le sol sur lequel vous êtes. Vous avez juste à poser les blocs par-dessus. Hop. Bon, donc là, là, je vous fais un sol vite fait en planche, hein, pour que vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, donc le plus gros de la maison est fait, le premier étage est fait, et maintenant il reste plus qu'à faire le toit. Voilà. Vous posez les bûches sur l'avant du toit en les faisant monter jusqu'à ce qu'elles se rencontrent, et vous faites ça à l'avant et à l'arrière. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous prenez des escaliers en brickstone et vous et il reste plus que le toit à faire tout simplement. Hop. Voilà, vous faites le toit. Vous posez tout. Je pense que je vais juste faire une petite ellipse pour finir le toit parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Juste la chose que je veux vous dire, c'est que le toit, vous faites dépasser de 1 à chaque fois. Faites dépasser de 1, vous faites dépasser de 1 et au sommet vous mettrez des demi-dalles puisque ça va se finir en impair. Donc voilà, donc je fais une petite ellipse et je vous retrouve juste après pour finaliser la maison. À tout de suite. Et bien me revoici, c'est bon, donc le toit est fait de la maison. Donc voilà, donc normalement le toit est censé ressembler à ça, vous faites dépasser de 1 partout. En train de faire une cheminée je suppose. Donc la nuit tombe d'ailleurs, donc on va essayer de se bouger. Donc vous remplissez tout de laine, vous remplissez tout de laine l'intérieur des façades, et on va positionner des derniers on va positionner déjà quelques torches pour qu'on puisse y voir, et ensuite après ensuite nous allons installer encore quelques vitres sur la façade du haut parce que sinon c'est rempli de neige et ça fait pas terrible. Donc à l'arrière, je vous conseille de mettre des escaliers à l'envers et de mettre voilà des vitres. Et à l'avant, je vous conseille de faire un truc peut-être un peu plus grand comme ceci par exemple. Voilà. Comme ça, on met pas la même chose des deux côtés. Tac, 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 et tac, merci, et tac, voilà. Et voilà, et à la fin, vous avez donc, et bien voilà, cette petite maison qui a été assez simple à faire et assez rapide. Donc là, ça a été un peu long pour que, ça a été un peu long parce que je vous ai expliqué quelques trucs, mais sinon, ça va plus vite. Et sinon, j'en profite, je vais faire un peu de la pub pour une autre chaîne. Et je vous invite à aller voir la chaîne de Kifour Amici qui vient de débuter comme moi sur YouTube pour faire des vidéos Minecraft. Et vous pouvez voir que voilà, il fait de la décoration. Donc voilà, je vais visiter la maison qu'il est en train de décorer. Comme ça, vous pourrez voir. Il pourra vous donner pas mal d'astuces pour décorer votre intérieur, tout simplement. Voilà. Voilà, donc bien sur ce, je vous laisse, la vidéo est finie. Je vous mettrai le lien de la chaîne de Kifour Amici dans la vidéo. Et donc je vous invite à laisser un commentaire pour me dire si à votre avis je ferais bien de faire une petite série de vidéos comme j'avais fait pour le trailer. Et voilà, et si vous pensez que c'est une bonne idée, dites-le moi dans les commentaires et mettez un petit j'aime si vous avez apprécié ce tutoriel. Donc voilà, le prochain tuto devrait sortir d'ici peu de temps. Jusqu'à avant qu'il sorte, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!